J'ai eu une enfance qui ressemblait pas à l'enfance des autres enfants, dans le sens où j'étais passionnée par ce que je faisais, donc c'était pas une souffrance pour moi, mais le plus clair de mon temps, je le passais à travailler, à danser. Donc j'ai pas du tout connu tout ce qui était boom, sortie, anniversaire. J'ai pas du tout vécu toutes ces choses qu'on vit normalement à l'adolescence. Et puis surtout, c'était très compliqué parce qu'un grand nombre de danseurs de l'école de danse étaient déjà homosexuels. Et du coup, j'ai pas eu de petits copains pendant très longtemps. Et ça a été très difficile parce que je me souviens, le jour de l'anniversaire de mes 18 ans, je me suis couchée dans mon lit et j'ai pleuré. Parce que je me disais que j'allais finir toute seule, que personne ne voudrait jamais de moi. Je me sentais moche, du coup j'avais l'impression que les garçons ne s'intéressaient pas à moi. Alors que c'était juste que j'étais pas dans le bon milieu et qu'ils n'étaient pas intéressés par les filles. Du coup, voilà, mais ça a été hyper dur. Mon premier petit copain, je l'ai eu qu'à 20 ans et j'avais l'impression que. Je disais à ma mère, je vais mourir, je serai encore vierge. Du coup, voilà, ça a été la chose la plus difficile et que j'ai. Qui était le plus. Dur à supporter pendant mon enfance.